Bonsoir, tout le monde est là, messieurs. Est-ce que vous êtes chaud parce que le show va commencer? Oui. J'aime bien dire ça, en fait, c'est un opéra un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs héros, il y a plusieurs... Il y a un peu de tout, en fait, tout est un peu mélangé. Les acteurs sont joués par des personnes différentes. C'est ça, exactement, voilà. Le requin, lui, quand il chasse ses nageoires sont en sang. Maintenant, le boss va choisir deux joueurs pour interpréter Monsieur et Madame Pitchoum. Pour aider la compréhension, je vous situe l'action. Pour faire face au durcissement croissant de l'espèce humaine, l'homme d'affaires Monsieur Pitchoum a ouvert une société où les plus déshérités des déshérités prennent une apparence capable de parler au cœur le plus racorni. À vous de jouer. Remettre au boulot. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Envoyer un mail à ce cher Alfred. Ouais, Gaston, vous pouvez envoyer un pub, s'il vous plaît, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ce que vous avez fait ce matin là. Ouais, patron. Ouais, allez balancer, s'il vous plaît. C'est plus des gars, franchement. Bon, allez, remettez-vous. Bon, c'est l'heure de la visioconférence. Alors, où sont mes petits mendiants, là? Alors, place Gambetta, y a pas grand monde, là. Et ils sont partis, ou la gare Saint-Jean, là, non plus. Ah, mais c'est n'importe quoi, là. Ouais. Agent 45, s'il vous plaît, un peu, agent. Agent 45, s'il vous plaît. Allô. Agent 45, écoutez-moi, allô. S'il vous plaît. Oui, je vous appelle. Oui, c'est vous, agent 45. Allô. Ah, mais patron, non, mais franchement, je comprends rien, là, ça marche, mais pas du tout. Les gens, mais c'est que des bouges ou je sais pas dans quel monde on vit. Ils voient le gosse, ils voient qu'il est en train de crever, que moi aussi, et ils donnent rien. Allô, agent 69. Allô, comment se faites-vous? Bonjour, patron. Oui. Aujourd'hui, c'était pas très très top niveau recette. J'ai eu que 5,70€, enfin 72 parce qu'il y a une pièce de 2 centimes. Je suis vraiment désolée, mais j'ai pas fait exprès. C'est pas de ma faute, les gens, vous savez. C'est pas de ma faute, ils sont pas généreux, c'est la crise. Et puis. Il est vrai qu'elle voit souvent ce jeune homme. Ouais, ce petit barbu là, il m'inspire pas confiance, franchement. Je ne comprends pas pourquoi tu es aussi méfiant avec lui. Méfiant, mais voyons quand même. Il vient toujours quand je suis pas là, et puis franchement, on dirait que t'es un mec de sa stature, tu vois, bonne situation, un truc comme ça, quoi. Mais ce garçon peut lui offrir une très bonne situation, il est très distingué. Arrête, avec sa pelle à pommeau, ses gants blancs, son grand chapeau. Mais t'as toujours pas compris qui c'est ce mec? Mais c'est Maki le surineur! Ah! Oui, c'est Maki le surineur! Bien sûr, elles finiront par toutes crever dans la boue. Ça vient la lune sur saut. Ça vient leur sacré sentiment cœur comme il bat. C'est leur Johnny, oui, je retire à Johnny. Et la lune et l'amour meurent sur saut.
déjà la première embûche, c'est bon, ça va. Oh, la chieuse, l'eau. Elle est bonne, la petite cochonne. Elle croit qu'on vient. Mais le curé, on peut pas le faire venir ici. Ah, mais je l'ai bien indiqué le chemin, il devrait pouvoir se démerder quand même. Bon bah c'était pas terrible tout ça quand même, hein. Y'a bien quelqu'un qui va pouvoir faire une vraie chanson. Monsieur, dame, aujourd'hui, vous voyez laver les verres, faire les lits, récurer par terre. Quand on me donne un penny, je dis poliment merci. Je grelotte dans mes loques, dans cet hôtel de misère. Mais vous ne savez pas qui je suis. Non, vous ne savez pas qui je suis. Les trois mains des corsaires, toutes m'emporte vers mon sang. Alors les frères, comment ça va depuis l'hiver? Ça va et toi? Il pas paraît pas que mal. C'est le jour de tes noces aujourd'hui. Oui, tout à fait, je me marie avec Polly Pichoum. Polly Pichoum. Pichoum. D'accord. T'es obligé de faire ça ici par contre. Dans une écurie qui t'appartient pas. Ah, si seulement les meubles m'appartenaient. Ouais. Et tu me la présentes pas, ton épouse? Qu'on m'apporte mon épouse. J'ai trouvé le whisky beaucoup trop chaud. Il avait toujours mal aux pattes. Mais John, elle a retapé dans le dos. Tout fait croire, mais on aura tous ces pirates. Les soldats marchent. Je cherche la bagarre. On en fera de la purée, du hachis, du steak tartare. Nous n'avons pas de papier au ciel, pas de fleurs au pied de l'autel, pas de couronne de fleurs d'oranger. Je ne sais pas d'où vient la robe de mariée. L'assiette dans laquelle tu as mangé, ne la regarde pas trop, jette-la. L'amour dure ou ne dure pas, ici ou là. Maman, je suis mariée. Je t'ai tout donné, tout. Les plus belles robes de haute couture. Tu crois pas que tu exagères? Et arrête avec cet accent, c'est ridicule. Vraiment, arrête. Non mais tu te rends compte que ça va faire à ma réputation, enfin je dirais à notre réputation. À ton père et à moi. C'était le bon temps où j'avais ma vertu. Tu l'as eu aussi, t'en souviens-tu? Et je savais bien que viendrait le moment de choisir un époux, un amant. Et s'il avait de l'argent? Et s'il était charmant? Et si son col, même en semaine, était blanc? Moi je lui dirais non. Jenny. Je suis Madame Pichoum. Je me demandais si par hasard
dans une occasion ou une autre, vous pourriez... Dénoncer Maki. Dénoncer Maki? Mais je vous dis, Maki... Maki est un homme qui ne perd pas ses habitudes, comme tous les hommes d'ailleurs. Il retourne toujours chez les putes. Et dans tous les cas, il ferait la même chose, même si toute la France était à ses trousses. Plus d'un homme on a vu crever pour la France. Et plus d'un grand esprit s'est perdu chez les putes. Et vous qui croyez être bon des bons apôtres, qui croyez-vous qui vous enterrera? Des putes. Alors à quoi sert votre résistance? Et oui, c'est ça, ce que là je descends. La vache de sang. Maki? Koumaki? Tu nous as manqué, t'es bon, oh là là, Voilà. Qu'est-ce que tu y vois? Je vois un thé. Un thé comme trahison. Oui, un thé. Et... Bon, quoi d'autre? Laisse-moi. Je vois un J aussi. Et une femme. Une trahison. Maki! Une trahison, une femme! Ça va! Et puis voilà qu'un jour je me retrouvais grosse. Il nous fallut alors inventer d'autres tours pour éviter en moi d'abîmer trop le gosse. Ce qui n'empêcha pas qu'un jour elle avorta. C'est ainsi que ma sœur et moi de nos jours. Ça s'est fait. De toute façon, moi j'avais besoin d'argent, donc il fallait que je le fasse. Hein. Ces sous-là, j'en ai besoin. Il faut vraiment que je me sorte de cette merde. C'est pas possible, je peux pas continuer à vivre comme ça. Puis Maki, quelque part, il a mérité. Il m'a jamais respecté. Il a toujours fait ça avec moi comme si ça lui était dû. Mais moi, je suis un être humain. Je mérite pas ça. Je mérite pas qu'on me traite comme ça. Je veux dire, c'est légitime de ma part de m'être vengée, de l'avoir vendu. Enfin. Maki, c'est quelqu'un de mauvais. Maki, on se voyait peut-être souvent, mais... Il m'aimait pas tant que ça, en fait. Et puis, il va peut-être mourir, mais... Moi, je dois m'en sortir, Moi, je dois continuer à vivre. Tant pis pour lui, il n'avait pas qu'à me traiter comme ça. De toute façon, il fallait que je le fasse. Je pouvais pas faire autrement. Puis je le reverrai jamais, mais j'en aurai peut-être un autre. Peut-être que ça se passera mieux avec l'autre. Peut-être qu'il me respectera plus. Moi, je dois m'en sortir, moi. Je peux pas passer ma vie avec lui. Je peux pas continuer comme ça. Putain, j'ai bien fait de pas l'engueuler celle-là.
C'est ce que je voulais faire au départ, mais je me suis dit qu'un regard profond, rempli de haine, l'atteindrait encore plus. Et putain, ça l'a pas manqué. J'ai simplement regardé, et elle s'est mise à chialer comme une madeleine. C'est un petit truc que je tiens de la Bible. Il faut les voir lorsque la nuit descend, aller au lit avec leurs bras frigides, et tant les ovations l'air important, dès que sans se lance un mille, un regard vide, la gloriole, c'est de la foutaise. Il n'est trésor que de vivre à son aise. J'ai pas dormi de la nuit, je sais pas comment je vais pouvoir faire pour continuer. Il est capturé, mais c'est pas ma faute à moi, et il me le reproche, il me parle pas, j'ai pas droit à un seul mot, rien du tout. Et là, je dors pas de la nuit, moi, qu'est-ce que je fais après ça? Il veut que je me sente coupable, alors ben oui, c'est sûr, je me sens coupable, mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire? Je veux dire, il est... Oh, le regard, mais c'est pas... Moi, je... C'est sûr que là, oui, bah là, c'est sûr, au moins, je me sens coupable. Mais qu'est-ce que je peux faire en même temps pour faire en sorte qu'il soit libéré? Et moi, je ne l'ai pas dénoncé, j'ai rien fait. Et lui, il est là et... J'ai même pas droit à un mot. Pas un mot. Non, pas un mot. J'aimerais bien pour une fois dans sa vie qu'on prenne un peu. Moi, je ne peux pas faire ce que je veux. J'ai quand même des pressions. Je ne suis pas toute seule dans ce métier. Et lui, il est là à me regarder comme ça. Mais moi, il y a du monde autour de moi qui me dit quoi faire. Je voudrais qu'il comprenne quand même, qu'il comprenne. C'est tout ce que tu trouves à dire comme pot. Ton pauvre mari. Quoi? Mon mari? Attends. Non mais tu crois que je suis pas au courant pour mademoiselle Pichon? Sérieusement, Lucie. Tu serais pas assez bête pour être jalouse de Pauline? Ah ouais? Non, tu vas pas épouser peut-être. Maki, en prison? Tu m'avais pourtant dit que tu n'irais pas chez les femmes. Moi je savais ce qu'elles te feraient, mais j'avais confiance en toi, tu comprends? Tu me regardes même plus. Pense combien je souffre. Je souffre à te voir ici, en prison. Quelle salope, celle-là. Mais tu... Non mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Oh, quoi? Laisse dormir ton poids tout de suite. C'est qui elle? Moi? Attends, non, je t'explique déjà. Oh là là, je touche pas déjà. Pour commencer, je suis Lucie Blanc, tu me respectes. Et alors? La fille de Jack Blanc. Oui. Et? Oui, je suis sa femme. D'une. Et de deux. Regarde mon ventre là. Il est venu tout lui. Marie, et tu crois quoi? Dis-lui que je suis ta femme. Ta femme? Ah oui, ta nom de femme, c'est ça. Mais voilà, c'est elle, voilà. Je te calme. Arrête, tu vois déjà, je fais deux têtes de plus que toi. Mais tu te dis, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que t'as dégoûté? Interviens, toi, dis quelque chose au moins. Vas-y, c'est pas. Fermez vos gueules, ça pourra s'arrêter. Non, mais tu rigoles ou pas? C'est quoi ça? C'est une blague, non, mais je. Non, mais c'est ça, c'est. T'as dégoûté? Où tu l'as dégoûté? C'est là. Mais c'est ça, non, mais c'est ça, ta beauté de saut. Ouais, c'est ça, viens voir, je vais t'expliquer, moi. Tu vas voir, viens là. Montre-toi la beauté de saut. Montre voir si t'as les jambes fines. Oui, c'est moi, la belle de saut. Ah, baby, elle vient bonne, c'est là, tiens. J'ai déjà fait tourner bien des têtes. Vous entendez, c'est impossible de compter mes conquêtes. Et tant pis pour ceux que ça embête. Regardez ça, un vieux vicieux, n'en voudrait pas. C'est ce qu'on va bien voir. C'est ce que nous allons voir. C'est ce qu'on va bien voir, ouais. Ouais, c'est ce que nous allons voir. Messieurs, au lieu de prêcher l'abstinence, l'amour du bien et l'horreur du péché, vous feriez mieux de nous remplir la panse. Après, vous aurez le temps de prêcher. Tous les pauvres gens, votre gâteau
pleurez à cause de Maki. Il me faut cet argent, donnez-le-moi. Vous n'aurez rien, parce que Maki ne vaut rien. Comment ça, Maki ne vaut rien? Vous ne lui avez même pas la chose. Maki est un gentleman. Il est tombé par amour pour moi. Avec l'autre poli là en plus, cette connasse. Non mais je te jure, hein. Non mais c'était horrible, horrible. Oui bah après, voilà, il m'a dit qu'il m'aimait et tout, donc... Enfin j'étais trop contente, il m'a dit ça, mais j'étais trop dosée, j'étais trop bien et tout. Et du coup voilà, mais je suis sûre, c'est l'homme de ma vie. Mais je le sais, je le sens, je le... C'est sûr. Le jeu s'achève pour aujourd'hui. Je demande à l'ensemble des candidats de venir sur scène... Pour la grande finale, nous allons enfin découvrir qui sera sélectionné. Je vous attends. Est-ce que vous avez apprécié cette pièce? Là, on sent que l'Olympia est là. Donc, l'émission va bientôt fermer, bientôt se finir. Et en toute chose, nous voulions laisser aux condamnés une dernière parole. Bon, ben, ne laissons pas le public s'impatienter. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous le dernier représentant d'une classe qui s'apprête à disparaître. Nous autres, pauvres artisans, on travaille les tiroirs-caisses des magasins avec des pinces Monseigneur Anodine. Pendant qu'on se fait étouffer par ces grandes sociétés qui, elles, sont appuyées par les banques. Qu'est-ce qu'un petit voleur comparé à des actionnaires de grandes sociétés? Qu'est-ce qu'un cambriolage comparé à des milliers de comptes offshore à Panama? On applaudit. J'ai pas fini. C'est quoi tuer un homme comparé au travail rétribué qu'on lui donne? Tu vas pas faire ta loi, hein? Merci Maki, super. Merci beaucoup Maki, c'était super. Bon discours. Bon, bien, nous allons procéder à l'élimination. Est-ce que tu es prêt? Nous avons un perdant. 5, 4, 3, 2, 1. Arrêtez. Nous avons un gagnant. Nous avons un gagnant. Oui, car nous avons un gagnant. Nous avons un gagnant. Nous avons un gagnant. Nous avons un gagnant. Oui, nous avons un gagnant. Eh oui. Et ce gagnant, ce n'est pas nous qui allons vous l'annoncer. Je vous passe le boss. Fin de transmission. Дорогие друзья,
Я приветствую всех вас, всех, кто пришли сегодня сюда, в Москве, на стадион, и тех, кто находится за его стенами. Сюда пришло, несмотря на ненастную погоду, большое количество людей. Десятки тысяч людей. И это символично. Сюда пришли разные люди по возрасту, по национальности, по вероисповеданию. Мужчины и женщины. Победа будет за нами! Thank you.